Bonjour à tous, donc bienvenue dans ma 37e vidéo et donc aujourd'hui la présentation d'un Patéfone numéro 12 et c'est bien un Patéfone numéro 12 et pas un numéro 12 bis ni un numéro 120. Les différences se font surtout au niveau de la motorisation et au niveau du pavillon. Pour le coup, ce Patéfone 12 est en configuration la plus, on va dire, enviable, c'est-à-dire avec un pavillon optionnel de 60 cm en peinture d'origine noire. Et donc avec la vraie caisse du numéro 12, avec le gros moteur rectangulaire noir, donc le plus solide pour moi de chez Pathé, et le plus agréable qui casse jamais, honnêtement. Contrairement aux triangulaires acier qui sont venus beaucoup plus tard, par exemple sur le numéro 120 au catalogue de 1914 cette fois, alors que celui-là par exemple est sorti en 1909, ce qui fait une sacrée différence. Donc, comme j'ai dit précédemment, donc pavillon 60 cm d'origine noir, optionnel à l'époque, puisque c'était livré avec un 50 d'origine. Donc là, on est sur le 60, donc le plus gros, avec encore les liserés bien apparents. Même s'il a des traces d'usure, il est quand même en bel état. Et trouver des pavillons 60 cm aujourd'hui, ça commence à devenir vraiment compliqué. Ici, on a eu la chance d'avoir la boule en zamac refait en acier plein. Donc il n'y aura jamais le problème de cette boule en zamac qui se fend et qui pose un gros problème puisque quand c'est fendu, l'appareil ne peut plus fonctionner. Donc soit il faut la faire refaire, soit la recoller, mais le zamac se casse ailleurs. Donc la potence d'origine, qui n'est pas une copie, avec la noix de décoration qui est présente. Donc le fameux reproducteur, comme d'habitude, avec le saphir inusable, et donc un bois qui est dans un état magnifique. On peut remarquer aussi ici le sélecteur de première génération, avec ce très beau système de pointeau qui se met dans la demi-lune. Donc, comme vous pouvez voir, le bois est dans un état vraiment magnifique. À noter seulement deux petits accidents, ici et ici. Et à noter aussi, et encore, il faut le voir, même à la caméra, je ne suis même pas sûr qu'on le voit, que le plaquage, ici, à ce niveau-là, commence un tout petit peu à gondoler, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est dur, donc je ne comprends pas trop. Voilà, mais on peut voir que les coins de la machine sont en très bel état, avec les petites rosaces et tout, c'est vraiment une des machines les plus belles que Pathé a faites. Donc nous allons passer à un test d'écoute cette fois-ci. Donc avec un disque à départ au centre. Ah oui, à noter qu'il y a même le protège saphir sur la tête. Donc la favorite, chantée par Madame Alvarez. Donc disque à départ au centre. La favorite, lieu du 5e acte, chantée par Madame Delna et Monsieur Alvarez, de l'opéra C'est pas tes frères. Oh!
Et donc pour arrêter la machine, on pousse la tirette. Alors voilà la petite démonstration audio. Et donc je tiens à préciser, à faire les petites différences entre le numéro 12, 12 bis et 120. La question se fait au niveau de la motorisation. Donc comme j'ai dit précédemment, le 12, donc, qui est un modèle devant vos yeux, a été fait en 1909 avec le plus gros moteur et le plus solide qui soit, c'est-à-dire le rectangulaire noir. S'en est suivi un modèle 12 bis avec un triangulaire noir, puis enfin le 120 qui a été édité cette fois en 1914, donc quand même 5 ans plus tard, avec un triangulaire acier. Voilà, et donc ce rectangulaire noir qu'il y a dans ce 12 est vraiment le plus solide et le plus puissant. Il peut lire des disques très fatigués sans aucun problème, contrairement au triangulaire par exemple acier de 1900, du 120 qui est un peu plus faible quand même. Donc voilà, c'était la présentation du numéro 12. Merci de m'avoir suivi.